suivre l'opposition entre l'AC Milan et Liverpool. Quand on voit le niveau technique de ces deux équipes, on se dit qu'on devrait quand même assister à un match sympa. Ouais, je n'en fais pas trop de soucis. En tout cas, on a hâte de voir ce que ça va donner. Pour autant, Liverpool est un grand club il y a une vingtaine, une trentaine d'années. Autant de nos jours, c'est vrai que c'est plus délicat pour le Reds. Et oui, parce que le club vit dans l'ombre de ses grands rivaux de toujours, comme Manchester United ou Chelsea. Avec tout de même un éclair en 2005, cette superbe victoire contre l'AC Milan en Ligue des Champions, avec cette finale inoubliable. Ouais, 0-3 à la mi-temps, 3-3 à la fin, victoire au tir au but des Anglais. Ce sera un corner pour Liverpool. Sturridge. Oh, le ballon qui s'écrase sur la barre. Oh, le bel arrêt du gardien. Dick. Un petit pied à la retombée peut-être. Oh, il perd le ballon à la suite de ce centre qui n'a trouvé personne. Luis Gustavo. Oh, il la récupère. On tentait de passer par les côtés. Oh, il récupère le ballon sur ce bon tacle. C'est ce que j'appelle un attaquant très remuant. Il aime faire des appels, contre-appels. Aucun souci pour les défenseurs. Début des années 90, ils ont enchaîné 58 matchs de Serie A sans défaite. Impressionnant. Sturridge. Et ce ballon qui sort finalement. K.O. Il travaille bien son ballon et il marque en finesse. On voit le superbe coup d'œil du passeur juste avant ce but. Et tout part de là, en effet. C'est vraiment une passe qui, comme son nom l'indique, est décisive. Et ce but, cette fois-ci avec une autre caméra. Marco Verratti. Oh, le tir! Oh, c'est repoussé, attention! Et on balance devant. Matenzik. Marco Verratti. Oh, qu'elle est bien partie! Un de plus à côté. Et qui va se relever le premier. Attention à ce centre. Antoine Griezmann. Il centre. Il a vu Falcao. Bonne sortie du gardien. Marco Verratti. Et lui redonne. Oh, Gonzalo Higuaín est un petit peu court sur ce ballon. Bon ballon là. Oui, Gustavo. Oh, cette tête qui ne sera pas cadrée. Il va manquer quelques centimètres en effet.
Marquisio. Gonzalo Higuaín. On retiendra donc dans cette première période eh bien qu'on a vu un but, 1-0 à la mi-temps. Fin à l'instant de ces 45 premières minutes, deux équipes qui se sont rendues plus courtes. C'est vrai que je regarde les statistiques là et on constate presque une égalité parfaite. Oh, le beau tir ! Ouais, contre du défenseur. Là, c'est Milan qui obtient donc le corner. Daniele De Rossi. L'entraîneur de l'équipe à domicile qui va faire rentrer du 109. 8 mètres, Neymar. Le ballon qui va arriver dans la surface. Ouais, mal centré, dommage. Un bon ballon d'attaque perdu. Marco Verratti. L'occasion peut-être avec cette frappe. Un très bon tacle. Oh, il se trouve bien. Ah, et ça, c'est bien défendu. C'était une situation délicate. Ah, le ballon qui sort en touche à proximité du poteau de corner. Un peu de sang frais, l'entraîneur a décidé de procéder à un double changement. Peut-être a-t-il enfin trouvé la solution tactique face à cet adversaire. Et là, le bon centre dans la surface. Ah, c'est sûrement Fala qui voulait la mettre. Pjanic. Oh, attention ce ballon. Voilà, au moins, débarrasse. Oui, il a un peu d'espace. Oh, c'est bien parti. Oh, le poteau. Luis Gustavo. Neymar. À sa côté, c'est bien joué. Il faut lever la tête pour centrer. Philippe Luis. Luis Gustavo. Ah, ça tourne bien. Et il écarte le danger. Impossible à contrôler quasiment. Finalement, l'arbitre a décidé de lui mettre le jaune. Et après mûre réflexion, on dirait. Il essaie de faire l'entraîneur Franck avec ce changement. Eh bien, il veut peut-être tout simplement enfoncer le clou et se mettre définitivement à l'abri. Hein. Et là. Ouais, le ballon qui circule bien. Là, ce ballon commençait à trop traîner, il fallait intervenir. Marquinhos. Oh, il y a du monde pour le reprendre. De Rossi. Sturridge. Daniele De Rossi.
ils essaient de confisquer le ballon. Ouais, ils font couvrir leur adversaire pour le fatiguer. Lui aussi, disons-le, hein, je pense pour l'énerver un peu. Ça y est, c'est terminé. Nous n'aurons vu qu'un but dans ce match. On voit qu'il y a des petits sourires sur certains visages, Franck. Oui, parce que vous savez, même un match amical, hein, une victoire fait toujours du bien au moral. C'était un plaisir de commenter ce match. À bientôt.